What's up, j'arrive aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fucking Everfight, les amis. C'est la première fois que je me connecte sur le serveur. Aujourd'hui, les amis, on est accompagné de personne parce que, ben, malheureusement, en fait, je n'ai aucun ami. Et ouais, les amis, la vie est triste, je n'ai aucun ami. Et aujourd'hui, les amis, j'ai décidé que j'allais faire un petit défi qui va sûrement durer 37 secondes. Donc, vous savez que sur le serveur, il y a genre un système de roulette, de gambling, etc. Bref, je pense que vous connaissez tous Everfight. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de parier. Donc, ok, il faut taper dans le chat 50. Donc, on vient de parier 50 sur le rouge. Et dans le fond, on va commencer avec 50$. Et puis, c'est l'argent qu'on commence, hein, les amis, on commence pas avec rien d'autre. Et on va essayer de voir jusqu'à combien qu'on peut se rendre en pariant sur la roulette. Donc, c'est comme un petit peu du gambling, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, etc. Pour ceux qui connaissent pas vraiment Everfight, les amis, c'est un serveur launcher, un peu comme Skill PvP, Hardfight, puis tous ces systèmes-là. Sauf que Everfight a eu des problèmes la dernière version, et ils ont fait maintenant une version un peu plus spéciale. Ça s'appelle EverX, et puis Everfight X, en fait. Et puis, ils ont redesign un peu le launcher, à faire un nouveau spawn, etc. Et puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas trop de lag, les serveurs tournent environ vers 1000 connectés, il y a une file d'attente, c'est ça qui est un peu désagréable, mais bon. Et puis même moi, je dois faire la file d'attente, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de vidéo avant, parce qu'à chaque fois, il fallait que je fasse la file d'attente, puis je vais pas vous le cacher, les amis, faire genre 250 personnes de file d'attente, c'est pas ce qui m'intéresse quand je joue à Minecraft. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, ouais, mais nous, on l'a fait, la file d'attente, donc ferme ta gueule et fais-la. Sauf que le souci, c'est que vous et moi, j'ai autre chose à foutre dans ma vie. Non, je rigole en fait, c'est une blague en fait. Juste que ouais, j'ai fait d'autres choses en fait, je joue à CSGO, je joue sur d'autres serveurs, etc. J'ai des vidéos à faire, puis tu sais, je veux dire, mettons j'ai 4 heures pour jouer, ben faire 3 heures de file d'attente puis 1 heure de vidéo, c'est comme pas trop le fun, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je me suis pas connecté avant. Je me suis quand même connecté 2 soirs de suite pour faire mes kits. Donc j'ai fusionné mes kits avec mon kit XP et mon kit Dieu, qui est le meilleur grade sur le serveur, ça vous donne un P2 en topaz. J'ai décidé de faire un P3. J'aurais pu attendre un peu, faire un P4, mais je me suis dit, bon, YOLO, on va simplement attendre. Là, qu'est-ce qu'on attend en fait? Ok, on n'attend rien en fait. Il y a juste moi qui participe à la roulette avec un gars qui a mis 1000 sur le noir. Donc, en espérant que ce soit fait don open. Ok, mais j'ai pas d'espace, gros. Attends, c'est quoi? Oh, what? Ok. Faut regarder ça. Donc, nous, on a mis sur le rouge, les amis. Come on. Be red, motherfucker. Don't fuck me up. Ouh! On a gagné, les amis, je crois. Je crois. Je suis pas certain. Yes, sir, les amis, on a gagné. Donc, attends, on va juste ouvrir le don. Les abos fidèles ont dit d'ouvrir le don. Donc, attends, on va faire slash don. Attends, ça dit quoi? Don pour faire un don à un YouTuber, slash don open. Don de Angel. Il nous a donné 6. Attends, il nous a donné 36 niveaux. 5 tacos. 6 carottes en émeraude. 3 pains en topaz. 32 pommes d'or. Gros merci à toi. Est-ce qu'il faut refaire la commande don open? Il devrait faire qu'on devrait juste pouvoir faire slash don. Merci pour les feuilles de cocaïne, mon ami. J'en avais déjà 37 qu'un autre abonné m'avait donné quand je me suis connecté hier. Donc, un gros merci à toi. Et puis, pour les niveaux, on va faire XP Bottle. Je crois que c'est ça. Non, c'est Bottle XP. What? On dirait qu'il y a un oiseau, calice, what the fuck? Et puis là, on va remettre sur la roulette. Donc, vous êtes prêts? Oh, tabarnak. Je sens... Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un rouge. Donc, on va mettre 100 sur le rouge. Et puis, je pense que ça va être... Est-ce qu'ils ont fait un... Ils ont toujours le conflit? Ouais, c'est Good Light qui a développé ça. Je suis pas mal sûr que c'est celui. Parce que c'est son style de design. Donc, voilà. Je vous reprends quand la roulette... C'est combien de temps avant que la roulette, elle bouge? Ok, il faut qu'il y ait au moins 2 participants. Go roulette. Et puis moi, je vais vous reprendre les copains. Come on, rouge, man. Don't fuck us. Please. Please. Je sais pas pourquoi je le sens, genre. Je sens que ça va être noir. Ah! Et voilà, on a plus d'argent. Maintenant, on va se suicider. C'est bon. Fuck la vie. Ok, les amis, je viens de remarquer quelque chose. En fait, le système de points sur ces serveurs-là, il marche autour de l'argent. Donc, pour avoir un point, c'est 10 000$. Donc, en gros, eux, ils ont 179 000. Attends, est-ce que je fais ça? Ouais. Eux, ils ont 179 000. Eux, ils ont 150 000. Eux, ils ont 136 000. Mais, checkez ça. Je comprends pas parce que, regardez, genre, lui, il a...
180 000, lui a 195 000. Fait que, genre, peu importe la faction qui est, il devrait être dans le top, non? Genre, il devrait être au début. Je sais pas trop, peut-être que je sais pas. Elle sait pas, moi, il connaît pas ça. Oh, qu'il a. Il est dans. Ouais, vous voyez, il est dans aucune faction, en fait, je crois. Oh shit, on peut pas le savoir, en fait. Ouais, je vois. F-Show, Tibzerb. Ok, vous voyez, il n'y a pas de faction. Ah, ouais, c'est pas comme ça. J'allais dire, il n'y a pas de faction. Lui, à combien? Lui est dans la source 2 et la source 2 a 153. Mais lui, il n'y a pas 153 000, vous voyez? Lui, il a 188 000. Fait que, genre, je sais pas. Je pensais que ça calculait aux 10 000. Aux 10 000. Je sais pas trop comment ça marche le classement des points. Si vous savez, dites-le moi. Et on verra bien ça. Donc, je vais aller trouver un petit fight et puis je vous reprends à tout de suite. Ok, les gars, je viens de découvrir en fait que le taco, il donnait absorption 3 et le truc, il donne haste 2. La carotte, c'est comme avant, speed puis tout. Je suis là. Ok, fait que là, regardez. Vous voyez, on a tout ça comme les trucs. Allez, bonne chance. Oh, on voit les cœurs en bas. What the fuck? Mais là, tu veux te fight ou pas? Parce que, tu sais, moi, j'ai pas toute la journée, jeune homme, là. Hein? Genre, je t'aime bien, mais j'ai pas toute la journée. J'ai fusionné, mais. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Le PvP est tellement fluide, les amis. What? Oh, ça fait tellement du bien! Sur skill, le PvP est dégueulasse, puis là, on a un PvP fucking clean. What? No way! Oh my god, les gars, c'est tellement clean le PvP, what the fuck? Eh les gars, j'en reviens pas. Les gars, il y a deux cœurs. Ok, c'était plutôt facile. Ok, what the fuck. Je croyais qu'on faisait un 1v1, mais il faut croire que non. Il faut croire que non. Donc, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Le topaz, ça m'intéresse. Ok, c'était du P1, man. What the fuck. Je vais juste prendre des 4 minerais de topaz, parce qu'on suit jamais. Mais pas calice! Ah, voilà. Voilà, les amis. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Ok. Tac, tac. Voilà. 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 Parfait! Bye! Et what the fuck, les gars? Il y a un chest communautaire, ok? En fait, je savais pas. Là, genre, j'ai mis mon épée. Hier, j'ai mis mon épée en zarconia dedans, genre. Parce que j'en avais une. Puis là, elle est partie. Genre, je pensais que c'était genre comme sur Everfight ou quoi, tu sais. Puis là, ben, regardez, en fait, tout le monde rajoute des trucs. Puis là, vous pouvez les prendre ou les jeter par terre. Là, je les jette par terre pour vous démontrer, mais. Regarde, vous voyez? Oh, j'ai eu deux minerais de top de zarconia. Oh, tu vois? C'est genre fucké, man. Fait que dans le fond, vous pouvez faire du stuff gratuit. Juste à déposant les stuff là, les choses là. Genre, vous attendez dans la Verchest, puis vous faites des stuff gratuits. Oh my god, no. Attends, on va tester, on va tester. On va voir, on va voir. Peut-être que ça marche pas tout le temps, peut-être. Je vous reprends. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu veux te fight, mon Chris de Tabarnakos? On va fight. On va prendre un petit pain. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça a l'air que prendre un pain, c'est bon. Donc, je vais te taper. Oh, tabarnak. J'avais oublié qu'il fallait prendre ça. Je suis un peu con des fois. Ok, let's go. J'aime fucking le PvP en plus sur ce serveur-là. Faudrait juste que je réduise mon chat. Regardez comment les hits se prennent bien, man. Même si on est québécois, on va pas l'air. Bon, ok, je suis pas très talentueux au PvP. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ok, il pleut, fait que le gars, aussitôt qu'il est en feu, en fait, ça l'éteint. Ouh, ouh. C'est intéressant de voir les cœurs du gars en bas, en fait. Parce que, genre, on peut savoir quand est-ce qu'il va être proche de pop et tout. On peut agro-perle dessus. Enfin, c'est un avantage, mais un désavantage aussi. Je sais pas si j'aime ça. Honnêtement, je sais vraiment pas si j'aime ça. Attendez, on va juste faire quelque chose. Hop là, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, jeune enfant, calme-toi. Oh, là, 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 là. Ok, 2 secondes. Glitch du chat. Ok, juste... Comme ça. En fait, je voulais enlever la barre noire, mais j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave. On va faire de... Mais en fait, je vais faire un speak, mais ça sert à rien vu qu'il pleut, quoi. Wow. Super. Hein? De toute façon, il va faire un résistant, je crois. Il était pas long. Il était low en tabarnak, là, mon homme.
En fait, c'est quand tu regardes une personne que tu peux voir ses cœurs. Comment ça fonctionne, le système de cœurs? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer, s'il te plaît? Genre, qu'est-ce qui a changé aussi dans cette version-là? Ce serait cool que vous puissiez me le dire. Il est bon PvP quand même. Moi, je suis un peu nul. Ça fait très longtemps que j'ai pas PvP aussi. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup plus de dégâts que nous, mais lui, il prend des pommes, donc il y a l'absorption. Fait que ses cœurs, ils descendent pas tant que ça. C'est ce que je devrais faire aussi, prendre des pommes, en fait. Je suis un peu con. Je pense pas toujours à prendre des pommes. What? Il est où? Ah. Je sais pas si c'est lui qui lag ou c'est moi. Je peux pas vraiment savoir. Je pense qu'il a pris une pomme. Ok. Je vais dire, il a peut-être pris une pomme cheat. C'est ce qui est possible, hein? Je dis pas que c'est pas possible. Moi, j'en ai pas encore, mais... Moi, je préfère comme prendre des potions. Lui, on dirait qu'il préfère prendre la pomme. Je pense que c'est beaucoup mieux de prendre des pommes, en fait. Après, ça dépend, tu sais, je veux dire. Ça dépend dans quelle situation qu'on est. Tu sais, si vous êtes à deux cœurs, prenez pas une pomme, healez-vous, puis ensuite, prenez une pomme. Ça, c'est un conseil que je vous donnerais si je suis très bon PvP. Malheureusement, je suis pas très doué, donc... Vous voyez, ses cœurs sont tout le temps hauts, quand... Je sais pas, faut que je m'améliore. Mon casse est à 21%. Lui, son casse, il doit être crissement plus haut, parce que moi, j'ai fight avant. Je me suis pas reaper en plus. On va mourir ici, les amis, d'après moi. Oh, peut-être que non, les gars. Peut-être que non. Oh, peut-être que oui, en fait. Ouais, notre durée, elle part beaucoup trop vite, les gars. On va faire quelque chose, on va vite fait prendre un tacos. Je peux te faire un don, ben bien sûr que tu peux. Je vois un petit dans le truc, mais bon, c'est bien parce que tu m'as spam. Je sais pas si on peut les bouffer genre plein de fois de suite, les tacos. Ok, quand je prends une pomme, ça me donne fucking de cœur. What the fuck? Mon casque va broke. Non. Pourquoi il broke pas mon casque? What the fuck? Est-ce qu'il est genre indestructible? What the fuck, mon casque il broke pas. J'ai genre un casque magique ou quoi? Ok, j'ai une armure magique je crois. Lui son casque pis tout il a broke, pas moi. What the fuck? What the fuck? C'est quoi ça? GG, what the fuck? F3 plus H. Attends, c'est quoi? F3 plus H. What? Je suis à moins 27. What the fuck? Attends, what? Comment c'est possible? J'ai genre une armure indestructible, man. What? Je comprends. What? Attendez, j'ai une armure indestructible, les gars. What? What the fuck? What the fuck? Ok, I guess, je sais pas quoi dire en fait. What the fuck? J'ai de demander dans le chat, les amis, à ce qui paraît, il y a un bug en ce moment sur le serveur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des armures comme ça. Lui aussi, il m'a dit, regardez, il m'a dit que lui aussi son armure avait broke en fait. Mais pas vraiment broke, mais regardez son ses bottes. Il y a juste son casque dans le fond qui est broke. Il nous dit, Izio, qu'il y a un don, donc c'est don open. Il nous a dit qu'il y avait un don. Il nous a donné un Arc Punch 2, 5 blocs de Topaz et 1 bloc de Zarconia. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Merci. What the hell, folks? Ok. Ben,
Je sais pas quoi dire, je suis tout ému. Je voudrais remercier ma famille, mes enfants, tous les gens du quartier. Merci. Ici, ça marque 32 Golden Apple. Really, nigga? Like, come on. C'est qui ça, en fait, il s'est fait scam sur l'HDV, je crois.